Ma personne, on peut dire tout ce qu'on veut de mal sur les entrepreneurs, mais s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est bien le fait que les entrepreneurs ont le mérite de permettre à plusieurs familles de trouver de quoi manger et de trouver les moyens de vivre, de mener une vie décente. Les entrepreneurs ont le mérite de permettre à ton père de trouver les moyens de t'envoyer à l'école, de permettre à ta mère de trouver de quoi te nourrir demain. Et pour que tu comprennes mieux, je vais te raconter une petite histoire qui est d'actualité. Elle est très courte, hein? Mais je crois qu'à partir de là, il faudra que tu commences à bien réfléchir. Et pour tous ceux qui veulent se lancer en business et qui hésitent encore, moi je vous y encourage vivement. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra réussir à résoudre les problèmes des gens qui sont autour de nous. Bref, l'histoire que je vais te raconter en ce moment, c'est l'histoire d'une entreprise qui a plus de 75 ans d'existence. Et le nom de cette entreprise, c'est Tout par Gel. Je te la fais courte. Tout par Gel, c'est une entreprise qui est pionnière ici en France en ce qui concerne la livraison de produits surgelés en Europe. La livraison à domicile de produits surgelés. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'ici en France, il y a beaucoup de gens qui ne cuisinent pas. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils commandent des produits surgelés. Et ensuite, ils font fonctionner le micro-ondes. Comme ça, ils ne cuisinent pas. En général, en France, beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Et pas que. Donc, ça fait plus de 115 ans que cette entreprise existe. Et il se trouve que le 13 janvier 2023, le verdict est tombé comme quoi Tout par Gel était en liquidation judiciaire. Je répète, Tout par Gel, en ce moment, est en liquidation judiciaire. C'est quoi une liquidation judiciaire? Une liquidation judiciaire, c'est un procédé juridique par lequel on stoppe toutes les activités d'une entreprise qui est en cessation de paiement. C'est-à-dire que tu as une entreprise qui a des créanciers, des personnes à qui l'entreprise doit l'argent. Et quand on se rend compte que l'entreprise est en insolvabilité et ne peut plus satisfaire leurs créanciers, et en plus, il n'y a même plus moyen, quand on regarde l'avenir, on se rend compte qu'ils ne peuvent pas dans l'avenir réussir à satisfaire leurs créanciers, on entre en liquidation judiciaire. C'est-à-dire, on revend tous les produits de l'entreprise histoire de permettre que les créanciers puissent rentrer dans leurs frais. Par créanciers, j'entends les investisseurs, les actionnaires et parfois aussi certains salariés de la boîte. Ça, c'est l'histoire qui est dite. Derrière ça, ce que je veux que tu vois, c'est que cette entreprise qui est en liquidation judiciaire, derrière cela, écoute bien, il y a plus de 1900 salariés en France qui vont se retrouver au chômage. Je répète, il y a plus de 1900 salariés en France qui vont se retrouver au chômage, du moins qui sont au chômage depuis le 13 janvier 2023, comme l'indique le reportage suivant. C'est désormais acté. La société Place du Marché, anciennement Tout par Gel, spécialisée dans la livraison de produits alimentaires surgelés, a été placée en liquidation judiciaire. Conséquence, 1900 emplois supprimés. Les syndicats montent au créneau pour réclamer des indemnités. On annonce que dans les Alpes de Haute-Provence, 30 employés sont concernés. Chloé Nivard, Aurélien Casanova. Depuis mardi, ben, il n'y a plus rien. Voilà, ils ont fermé et on ne sait pas ce qu'on va devenir, quoi. L'année commence mal pour les employés de la société Place du Marché. À Manosque, l'annonce de leur licenciement a été brutale. On a été méprisés, je veux dire, on se sent abandonnés. Je ressens de la colère parce que de nos jours, comment est-ce possible qu'une entreprise de notre ampleur, elle, en deux mois, elle soit liquidée, je veux dire, sans que personne, je veux dire, fasse rien, quoi. C'est pas possible. Sylvain sillonnait les Alpes de Haute-Provence depuis 19 ans pour assurer la livraison à domicile. Pour lui, c'était plus qu'un travail. Je faisais de la livraison pour Tout par Gel, Place du Marché, mais je faisais aussi voilà, des à côté. Certains clients, je ramenais autre chose que ce que nous, on leur proposait. Voilà, c'était voilà, un vrai service. Donc voilà, c'est pour que tu puisses réaliser à quel point, lorsque tu lances un business, tu peux permettre de transformer beaucoup de vies. Ça, c'est le premier point. Parce que regardez bien, là, on parle juste des 1900 salariés, des emplois directs qui vont aller au chômage, 1900 salariés. Et comme ça ne suffisait pas, dis-toi que lorsque tu lances une entreprise, en plus des emplois directs, tu as plusieurs autres activités satellites qui se développent autour de ton business. Je te prends un exemple. Lorsque Tout par Gel a son business de logistique, de livraison de repas, dis-toi qu'à côté de ça, il y a des agriculteurs qu'on peut faire vivre, puisque les agriculteurs, ils vont vendre leurs produits à Tout par Gel. Il y a le vendeur de congélateurs. Il y a celui qui assure l'entretien des congélateurs parce que, bien sûr, tu te dis bien que surgelé, ça veut dire qu'il faut conserver les températures très faibles. Il y a les techniciens, il y a les logistiques. Il y a plein de peu d'activités satellites qui dépendent de Tout par Gel. Donc, toutes ces activités satellites-là, il y en a qui vont faire forcément faillite, notamment celles dont le principal client était Tout par Gel. Et il y en a qui vont voir leur chiffre d'affaires diminuer parce qu'il y a une entreprise qui a fait faillite. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Je ne sais pas si tu captes un peu. Parce que si toi, aujourd'hui, tu lances ton business, plus tu vas grossir, plus les activités satellites autour de toi vont aussi grossir. Parce que nous, aujourd'hui, agent libre au départ, on avait le photographe. On n'avait même pas de photographe. Et après, on a eu le photographe. Et ensuite, il a commencé à filmer nos vidéos.
Et désormais, lui aussi, ses activités ne font que croître. Parce que Argent Livre est aussi en train de croître. Les gens avec qui on travaille aussi, ils connaissent une croissance. Nos infographes, nos community managers, ceux qui montent nos vidéos, lui aussi, il grandit. Ce qui fait qu'on n'a encore rien fait. Si à notre petite échelle, on venait à faire faillite, ce qui peut arriver, quelque part, ça impactera les autres activités satellites avec qui on travaille. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, quand on voit ça, on a vite fait de comprendre que lorsqu'une entreprise comme Toupargel fait faillite, c'est peut-être ton père ou ton cousin ou ton oncle qui est ici en Europe qui se retrouve sans job et qui ne peut plus t'envoyer l'argent au pays. Je ne sais pas si tu captes un peu. Voilà pourquoi j'ai m'a dit que les gens qui critiquent les entrepreneurs ne comprennent pas le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, critiquer un entrepreneur, c'est comme se tirer une balle dans le propre pied. Parce que si tu as... Tu vis bien suivi le petit extrait de journal. Tu as bien compris que ce sont les employés qui étaient offusqués. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai créé mon business. Je vous prends comme employé, je vous paye. Mais quand il fait faillite, c'est vous qui venez encore m'en vouloir. Je sais pas, tu vois un peu. Là, ce sont les employés qu'on voit pleurer. On ne voit pas les boss en train de pleurer. De toute façon, quand on a un certain niveau, on ne pleure pas. C'est interdit. En entrepreneuriat, on ne pleure pas. Les employés pleurent. Ils peuvent même porter plainte. D'aucuns demandent même une indemnisation à hauteur de 100 000 euros. Mais est-ce que tu as vu les PDG en train de pleurer? Non, tu ne les as pas vus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut forcément noter. Maintenant, moi, essayer de creuser un peu plus, histoire de savoir pourquoi est-ce que Toupargel a fait faillite. Parce que oui, il faut apprendre des échecs. C'est qu'il y a un échec, on tire des leçons et on avance. Et quand j'ai essayé de faire mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a deux raisons qui revenaient très souvent. Et très souvent, les entreprises qui font faillite, c'est par rapport à ça. Deux raisons. La première raison, c'est que les employés se plaignaient du fait que leur boss ne prenait pas en compte leur remarque. Parce que dans une entreprise, c'est vrai, toi, tu es le boss. Mais très souvent, les personnes qui sont en contact avec les clients, ben, ce sont tes employés. Parce que toi, tu ne peux pas être partout à la fois. Et ils voient des choses que forcément, tu ne vois pas. Et lorsqu'ils te remontent l'information, tu dois prendre ça en compte. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait des stratégies commerciales archaïques que Toupargel utilisait depuis plus de 75 ans. Parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que Toupargel, c'est une entreprise qui a vu le jour dans des milieux rustiques, en milieu rural. Et à cette époque, au cours des années 1980, je tiens à dire que Toupargel était coté en bourse. Hein. Ben, leur prospection, ils la faisaient par téléphone. Ils démarchaient leurs clients par téléphone. Jusqu'ici, ça marchait bien. Sauf qu'il y a eu un virage qu'Internet a créé avec les réseaux sociaux. Ce qui fait que si une entreprise n'existe pas sur les réseaux sociaux, si elle n'est pas active sur les réseaux sociaux, si elle n'existe pas sur Internet, c'est très, très compliqué pour elle de pouvoir continuer à avoir de la croissance. Donc, il y a les salariés de Toupargel qui ont remonté l'information par rapport à la stratégie commerciale, mais les boss n'en ont fait qu'à leur tête, ils n'ont pas tenu compte de ces remarques-là. Et comme ça ne suffisait pas, la deuxième raison, c'est que Toupargel n'a pas su s'adapter aux révolutions technologiques. Parce que plus de 85% des commandes se font désormais à partir d'un téléphone portable. Sauf que Toupargel n'a pas pu anticiper tout ça. Ce qui fait que d'autres entreprises concurrentes, bien évidemment, qui ont su s'adapter à cela, ont pris une grosse part de marché et de fil en aiguille, Toupargel a vu son chiffre d'affaires diminuer au fil des années. Ce qui fait que le 13 janvier 2023, le verdict est tombé comme quoi Toupargel était en liquidation judiciaire. Je ne sais pas si tu captes un peu le truc, mais moi j'ai appris beaucoup de cette petite aventure. Si une entreprise qui a plus de 115 ans réussit à faire faillite, à plus forte raison toi, plus de 75 ans, avec plus de 1900 salariés, avec plus de 1 million de clients réussis. Attends, écoute bien, Toupargel avait plus de 1 million de clients. Plus de 1 million de clients. Note ça quelque part. Et quand je dis plus de 1 million de clients, ce ne sont pas des clients qui font un achat unique. Ce sont des clients qui ont été fidélisés et qui achètent. Ce ne sont pas des nouveaux clients, ce sont des clients qui achètent régulièrement. Parce que lorsque tu achètes, puisque tu manges régulièrement et très souvent, on aime garder nos habitudes, on achète très souvent chez la même personne. Donc, ils ont plus de 1 million de clients réguliers qu'ils ont fidélisés. Avec plus de 1900 salariés, une entreprise cotée en bourse fait faillite. Et toi, avec ton petit business, tu refuses d'innover. Tu as ton petit business et on te dit d'améliorer le process. Tu dis non, je n'ai pas besoin de ça. Non, le bon produit ne fait pas la publicité. Non, de toute façon, le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités. Voilà donc une entreprise qui a dit que le bouche à oreille, c'est la meilleure des publicités, avec plus de 1 million de clients, qui a fait faillite. J'espère que ça commence un peu à tourner dans ta tête. Voilà une entreprise qui n'écoutait pas les remarques de ses salariés, qui a fait faillite. Parce que j'ai m'a dit ici que, comme je l'ai dit en amont, toutes les personnes qui sont en contact avec vos clients, vous devez les écouter deux fois plus. Je répète, toutes les personnes dans ta boîte qui sont en contact direct avec tes clients, tu dois les écouter deux fois plus. Parce que aussi grosse que peut être une entreprise, il faut savoir que c'est un client plus un client plus un client qui compte, un client qui font la fortune d'une entreprise. Donc, il suffit qu'un client soit insatisfait, il part. Deux clients déjà insatisfaits, ils partent. Trois clients et ainsi de suite. Voilà comment, du jour au lendemain, ton business peut s'écrouler. Parce que les petits clients qui ne sont pas satisfaits, parce que ton point de contact qui ne fait pas, qui te remonte les informations, tu n'arranges pas. Mais voilà comment ton business s'éteint du jour au lendemain. Et ça, ce n'est pas un cas isolé.
Même Nokia a fait faillite. Qui entend encore parler de Nokia? Qui entend encore parler de Motorola? Qui entend encore parler de BlackBerry? Qui? C'est à cause de ces petites erreurs-là. Donc, si les grandes entreprises peuvent commettre ces erreurs, toi aussi, tu peux commettre ces erreurs. Dans cette vidéo, c'est pour que tu commences à réfléchir dans ce sens-là. À te dire, OK, c'est bien. Peut-être que j'ai mon business qui commence à générer un peu d'argent. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter. Surtout pas. Il faut toujours level up. Dans tous les business, il faut toujours chercher comment satisfaire le client, comment améliorer la relation client, comment améliorer l'expérience client, comment s'adapter au changement. Parce que la vérité, c'est ça. Il faut s'adapter au changement. Parce qu'il y a bien une seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc moi, ça m'a particulièrement parlé. Voilà pourquoi je souhaitais absolument partager ce message avec toi afin que cela puisse te servir. Et pour tous les salariés qui continue à critiquer les entrepreneurs et pour tous les parents qui continuent à interdire à leurs enfants de se lancer en business, j'ai envie de vous dire que c'est que vous n'avez pas compris et il serait peut-être temps pour vous de vous mettre à jour parce que sinon, l'échec sera brutal, très très brutal. Cela étant dit, ma personne, je ne saurais terminer cette vidéo sans te rappeler que dans tout business, il y a ce qu'on appelle le moteur. Et le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Parce que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Et pour ça, en ce moment, je suis en train de lire un livre puissant qui s'intitule « Le prix de la liberté », disponible sur argentlivre.com en cliquant sur le bouton qui s'affiche quelque part là ou là, ou en contactant un numéro juste en dessous de cet écran. J'ai envie de te dire que tu ne peux pas t'en sortir dans les affaires si ton mindset n'est pas réglé comme il se doit. Et lire des livres tels que celui-ci t'amèneront à avoir confiance en toi. Ça t'amènera à avoir confiance en ta capacité à pouvoir réaliser les grandes choses. Ça développera ton côté résilient. Et oui, ça permettra de nourrir ton esprit de la bonne nourriture. Et l'entrepreneuriat, c'est fondamental parce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Les challenges, il y en a, mais tout dépendra de ta réaction par rapport à ces challenges. Des échecs, un peu comme celui de Tout Pargel, toi aussi, tu en rencontreras. Mais tout dépendra de comment est-ce que tu réagis face à ces échecs-là. Mais pour avoir la bonne réaction face à un échec, il faut avoir les bonnes informations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je te le recommande vivement. Ça a été écrit par Ahmed Barry, un entrepreneur nigérien, coach en développement personnel et tout. Ce livre est hyper puissant. Donc, tu n'as plus besoin de lire Anthony Robbins. Lis ceci. Tu n'as plus besoin de lire Anthony Robbins quand tu as lu ceci. Ouais. Et en plus, si tu es africain, ça te parlera deux fois plus. Tu n'as plus besoin de lire Anthony Robbins quand tu as lu ce genre de livre. Celui-ci, très riche. Donc, Ahmed Barry, tu as fait un excellent boulot. Cela étant dit, ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à cliquer sur tous les boutons en dessous de cette vidéo. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ninakano.